Alors, euh, bon matin tout le monde. Bon matin à toutes et à tous. Salut tout le monde, vous allez bien en arrière? Ça va, tout le monde va bien, oui. Content de vous revoir pour la semaine numéro 4. Donc, euh, ça avance très bien, euh, la matière, en tout cas pour moi. Moi, je trouve que ça avance bien j'ai beaucoup de plaisir avec vous. J'espère que vous euh, que ça se passe bien de votre côté aussi. Euh, je ne saurais comment vous rappeler l'importance de ne pas prendre de retard et de ne pas rester avec trop d'incompréhension. C'est sûr qu'on ne peut pas tout comprendre, tout maîtriser, mais si vraiment il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à me poser des questions, vous pouvez me, me, me rejoindre par courriel n'importe quand. Si vous voulez qu'on discute au téléphone, je vais vous rappeler sur le champ. Si vous, êtes, vous êtes vraiment ma priorité, je vais répondre à vos questions. Donc, euh, ça peut être au téléphone, ça peut être à mon bureau. Si vous me fixez un rendez-vous, je vais vous attendre dans mon bureau, on va regarder tout ça ensemble. Ou si vous préférez poser vos questions par écrit, comme plusieurs autres le font, je vous encourage à utiliser le forum de discussion que, que vous voyez à l'écran en ce moment. Donc, il y a beaucoup de gens comme vous qui se posent des questions sur les différents sujets que vous avez étudiés. Donc, aussitôt la question posée, moi, je reçois une, un courriel puis je vais vous répondre. D'accord? Donc, vraiment, la porte, la balle est dans votre camp à cet effet-là. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, comme à chaque semaine, de fermer votre téléphone cellulaire, s'il vous plaît, pour la prochaine heure, donc le, de, de, de l'éteindre et de le mettre dans votre sac. C'est bon? Je peux compter sur vous dès maintenant. Je vous remercie d'avance. Euh, aussi, vous sortez votre prénom, peut-être? Il y en a qui le, le font déjà. Sinon, j'ai des cartons. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de cartons encore une fois? Ça me coûtait cher de cartons. Je ne m'approcherai pas trop. Est-ce que tu peux lui, euh, une fois, est-ce que tu, tu peux l'envoyer à ton collègue à ta gauche? Non, toi, ça va Bon, écoutez, alors on a une semaine de travail. On a une semaine de travail standard, un peu donc avec la même stratégie pédagogique que les semaines passées. Donc, très peu de, ben, un peu d'enseignement magistral, mais surtout l'enseignement magistral, il est bien placé, il est placé stratégiquement. Donc, je vous fais travailler sur des problèmes. Puis quand je me rends compte que vous, vous bloquez ou que vous avez une difficulté sur un problème, c'est là que je vais arriver avec une explication euh, magistrale. C'est un peu ça l'idée de la fameuse pédagogie inversée, c'est plutôt que vous, vous envoyez de, de, de l'information euh, sans que vous soyez pris dans un problème, c'est sûr que vous allez être moins attentif. Alors que quand vous-même, vous vous prenez dans, des, dans un problème et qu'il vous manque une théorie pour compléter le problème, là, vous êtes comme des éponges, on peut le dire. Donc, on va aller de la même façon. Euh, le, 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 la grande partie du cours va être consacrée à un cas, mais le cas, c'est juste un prétexte pour, pour euh, vous, vous passer la matière finalement. Je pense que vous l'avez possiblement compris. La euh, dernière chose que je vous dirais peut-être, c'est qu'on euh, ne parlera pas de l'examen euh, aujourd'hui, c'est sûr que non, mais ça avance quand même à grand pas, euh, ça a l'air de rien, mais l'examen intra, je vous rappelle, qui porte sur les sujets 1 à 4. Donc, le, le sujet 1, 2, 3 sont terminés. Le 4, on le commence cette semaine, puis on le finit la semaine prochaine. Donc, ça veut dire qu'il nous reste deux semaines de contenu pour boucler toute la matière qui, est, qui sera testée à l'examen intra. L'examen intra va arriver à la semaine numéro 7. Là, on est dans la semaine 4. Ça ne donne rien que je vous parle de l'examen tout de suite. De toute façon, tout est écrit dans le plan de travail. En temps des lieux, je voudrais vous le montrer, puis on, on, je, vous présente, je, vous, je, je lirai avec vous, autrement dit. Mais ça ne donne rien de faire ça maintenant, mais juste que vous preniez que, que vous conscience qu'il ne faut pas trop prendre de retard. Donc, euh, on va faire le sujet 4 dans les deux prochaines semaines, semaine 4, semaine 5. La semaine 6. Avant l'examen intra, il n'y a pas de nouvelle matière. Elle est consacrée pour un travail évalué de 10 points. J'en reparlerai aussi en temps et lieu, mais la semaine 6, vous êtes attendu jeudi matin en salle de classe, comme d'habitude. Mais au lieu que je vous présente de la nouvelle matière, on va travailler ensemble sur une, une, appli, une, une mise en application qui va être évaluée. Donc, ça va être le même genre de mise en évaluation qu'on fait depuis le début en classe, mais ça va être, euh, vous allez devoir le faire seul. Euh, mais je vais quand même vous soutenir. Ça va être un peu un jeu de rôle. Je vais jouer le rôle d'un client qui répond à vos questions. Vous allez voir, c'est. C'est quand même assez euh, amusant et formateur. Ben, amusant. C'est divertissant. Ce n'est pas comme un examen, ce n'est pas stressant. Donc, euh, ça va être euh, ça jeudi de la semaine 6. Puis le travail ne sera pas à remettre en sortant de la classe. Vous allez avoir jusqu'au dimanche soir. Donc, après le cours, la semaine 6, ceux qui n'auront pas fini le travail, qui ne seront pas prêts à me le remettre, vous avez trois jours pour le finaliser. Mais on en reparlera ça en temps et lieu. C'est ce qui nous, Donc, semaine 6, c'est ce qui va arriver. Et ça va, ça va être très préparatoire, bien sûr, euh, ce travail-là. C'est un bel exercice de révision pour euh, l'examen intra de la semaine suivante. Si on regarde le plan de travail, est-ce qu'il y a qui des questions à date sur euh, ce que je viens de dire? Ça va? Donc, euh, le plan de travail pour la semaine 4, vous avez vu en faisant le travail avant le cours sur quoi allait porter le cours d'aujourd'hui, donc le calcul du revenu d'entreprise. Donc, euh, on va faire un grand bond dans notre apprentissage aujourd'hui, je le souhaite bien. Avec la mise en application. On, on terminera avec un défi CAOT. Et je vous rappelle, après le cours, d'aller faire les problèmes de la BQI en fiscalité portant sur le début du sujet 4. OK, alors, si on va le voir, notre fameux sujet 4. Vous vous rappelez, la semaine passée, le but du cours, c'est de vous faire la présentation. C'était comme, comme des présentations officielles là, entre, pour qu'une première fois de votre vie, vous voyez c'est quoi une déclaration de revenus. C'est quoi, les, quoi les, gra les grandes parties que ça comporte, une déclaration de revenus. Vous vous rappelez, il y en a trois, symbolisés par des jeux de couleurs, le calcul du revenu, le calcul du revenu imposable, puis le calcul de l'impôt. Le but de vous présenter tout ça, c'est justement parce qu'à partir de maintenant, quand on va aller voir chacune de ces composantes-là, que vous sachiez de quoi il y est question. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit, on, je vous avais présenté ce tableau-là qui est ici. Je vous avais dit ça, c'est le tableau qui va débuter chacun de vos sujets. Parce que peu importe ce qu'on étudie, à partir de maintenant jusqu'à la fin du dernier cours de fiscalité 2, peu importe qu sur, quel, sur quoi porte un sujet, nécessairement, c'est une de ces lignes-là qu'on va étudier. On a deux cours de fiscalité, on a 30 semaines jusqu'à la fin de fiscalité 2 pour voir ces lignes-là une par une, pour voir c'est quoi du revenu d'emploi, comment ça se calcule, c'est quoi du revenu d'entreprise, comment ça se calcule, c'est quoi les autres sources de revenus, les gains, les pertes, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Il y, a, il y a plus à dire que juste ce qu'on a vu la semaine passée. Là. Il y a plus que des BMD, et des BUP. Là. Il y a d'autres choses là-dedans. On va le voir en temps et lieu. C'est quoi les déductions qu'on peut déduire ici C'est quoi les déductions, les autres déductions qu'on peut déduire dans le revenu imposable, dans le calcul de l'impôt C'est quoi les fameux 21 crédits d'impôt personnel? Comment ils se calculent Dans quel contexte ils s'applique? On a beaucoup beaucoup de choses à voir. D'accord Donc on commence cette semaine. À, ben, on a deux semaines à passer sur le fameux calcul du revenu d'emploi. Je mets tout de suite une chose au clair là. Il y a comme deux mots dans la loi. Je n'aurais pas dû les mettre dans mon... J'aurais dû l'enlever. Je l'ai biffé là. Le, le, dans la loi, on parle juste de, de, de... Dans les textes, des fois, on parle de revenu d'une charge ou d'un emploi. C'est un synonyme. C'est beaucoup plus facile à comprendre comme étant du revenu d'emploi. Donc, vous comprenez qu'on est, on, on est dans la section bleue en ce moment. Les, on est toujours, toujours dans la section bleue. On n'en sort pas pour les deux prochaines semaines. Plus précisément, quand on calcule un revenu d'emploi, on a besoin de deux choses. C'est quoi tous les éléments qui augmentent le revenu d'emploi? Appelons ça des inclusions dans le calcul du revenu d'emploi. Et quelles sont les situations ou les dépenses que je, qui sont déductibles du revenu d'emploi et qui me permettent d'abaisser mon revenu d'emploi? D'accord? Donc, comme, juste pour mettre des chiffres, comme on discutait la semaine passée, disons que je fais 105 000 salaires. Par mon, reçu de mon employeur et que par ailleurs, j'ai encouru pour 5 000 de dépenses dans le cadre de mon emploi. Donc, j'ai dû prendre mon automobile, payer mon hôtel pendant des déplacements que mon employeur me demandait de faire. Donc, tout ça m'a coûté 5 000 et on a un article de loi, disons, là, qui dit que c'est déductible. Donc, on, dit, on pourrait mettre un moins 5 000 ici. Donc, vous comprenez que je déclarerais un revenu d'emploi de 105-5. Je déclarerais sur ma déclaration de revenu à la ligne revenu d'emploi un montant de 100 000 c'est ça ce qu'on va voir. Regardez la table des matières d'ailleurs. Regardez ici. Trois, les éléments à inclure. Il y en a onze. Donc, on va voir onze situations de 3.1 à 3.11. Onze situations où un employé voit son revenu d'emploi augmenter. Nécessairement, c'est des... C est des, c est, c est des euh, c'est des situations où il se fait rémunérer par son employeur de différentes façons. Des fois, c'est déguisé. Mais en finalité, c'est onze situations où l'employé se fait enrichir par son employeur. Donc, il faut le reconnaître, il faut le quantifier, puis il faut l'inclure. Il faut que l'employé s'impose là-dessus dans son revenu d'emploi. Et le point 4, c'est les éléments déductibles. On a sept éléments déductibles 1, 2, 3, 4, de mémoire, là, 5, 6, 7, huit plutôt. 8 éléments déductibles, on les verra la semaine prochaine parce qu'on va voir ça sur deux semaines. Donc, c'est le, le programme. Euh, juste avant d'aller vous mettre, euh, de, de mettre ça en application avec le cas de la journée, euh, je, un, un petit point d'introduction que je vais régler avec vous tout de suite, là, en 5-10 minutes. Avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, le calcul du revenu d'emploi, il faut, Premièrement, que je vous sensibilise sur, on, dans le volume, j'ai appelé ça un débat, mais ce n'est pas toujours clair si une personne gagne un revenu d'emploi versus s'il ne gagnerait pas plutôt un revenu d'entreprise. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pas, pas dans tous les cas, mais parfois, la ligne est mince entre quelqu'un qui dit gagner un revenu d'entreprise versus quelqu'un qui dit gagner un revenu d'emploi. Puis, ça va être important de faire la différence entre ces deux. Vous comprenez que ça ne va pas à la même place hein, sur la déclaration de revenus. Regardez, je vous la remonte, la déclaration de revenus ici. Quelqu'un qui gagne un revenu d'emploi, il va le mettre sur la ligne revenu d'emploi ici. Alors que quelqu'un qui gagne un revenu d'entreprise, il ne le mettra pas sur la même ligne. Il va le mettre sur la ligne revenu d'entreprise. Mais l'enjeu le, le plus important, ce n'est pas la ligne sur laquelle tu vas mettre ton montant. Avez-vous avez une idée de l'enjeu qui est derrière cette question-là, de bien faire la différence entre un, la source de revenus emploi versus la source de revenus entreprise? C'est écrit dans le livre, mais elle ne ressort pas beaucoup. Euh, Elisabeth, non pas Elisabeth. Presque, Marie-Ève. Exact. Ça, la, donc, il y est, y est ici l'enjeu principal les déductions permises. Il y a beaucoup plus. De déduction fiscale permis dans un calcul de revenu d'entreprise que dans un calcul de revenu d'emploi. Donc, moi, comme contribuable, j'aurais tout avantage à convaincre le gouvernement que ma source de revenu, mon activité, c'est du revenu d'entreprise. Comme ça, je pourrais avoir droit à toutes les déductions fiscales qui vont à l'encontre du revenu d'entreprise et possiblement déclarer un revenu plus bas. Alors que quand on déclare du revenu d'emploi, il y a très peu de déductions. On en a vu vite tantôt, mais c'est mineur. Il n'y a pas grand-chose qui est déductible à l'encontre d'un revenu d'emploi. Donc, c'est moins intéressant pour moi. Donc, ceci étant dit, on peut imaginer que des, des contribuables informés essayent de convaincre le gouvernement de, que, leur revenu, de, de, que leur source de revenu, c'est plutôt du revenu d'entreprise. Tout le monde comprend que si je fais chuter mon revenu fiscal, je vais, je vais faire chuter mes impôts par le fait même. C'est le but dans la vie, c'est le but ultime pour tout le monde, payer le moins d'impôts possible. Donc, on peut comprendre cet enjeu-là. Regardez, juste pour vous montrer. Donc, moi, je l'ai tenté cette stratégie-là. Pas juste tenté, je l'ai fait. Moi, personnellement, il y a 20 ans, j'ai été engagé comme un employé de l'UQTR, un prof de l'UQTR. Pendant les 4-5 premières années de ma carrière, dans ma déclaration de revenus, je déclarais du revenu d'emploi. Donc, l'UQTR me payait un salaire, disons 100 000 pour fin de déduction. J'avais à peu près pas de déduction, comme la majorité des employés ont peu de déduction, je déclarais 100 000 de revenus d'emploi. Et là, je, là, à force d'enseigner, cet enjeu-là, j'ai dit, Crif, pourquoi je. Je ne dis pardon pourquoi je n'essaie pas, moi, de, de, de transformer mon revenu d'emploi en revenu d'entreprise? Et on comprend, donc, on comprend que je gagnerais quand même 100 000 de salaire, mais ce serait du revenu d'entreprise au lieu que ce soit du salaire. Et j'aurais droit à une tonne de déductions à l'encontre. Donc, j'ai eu cette idée-là de démissionner. Donc un, Donc, un matin, je me rappellerai toujours, c'était un, un mercredi en fin de journée, je vais cogner à la porte de mon directeur de département, mon patron, avec, avec ma lettre de démission. C'est mon ami en plus, Marc, vous auriez dû le voir sursauter. Fait que je dis, Marc, j'annonce que je démissionne. Je coupe mon lien d'emploi avec fait que là... Il était très très surpris, puis il était surtout très mal à l'aise parce que le jeudi matin, je l'enseigne. Toujours enseigné le jeudi matin, je lui annonce ça le mercredi. Il dit Nicolas, qu'est-ce que tu fais là On est c'est le fun qu'on travaille, t'aimes ça Puis tu as on a un cours, as un cours demain à donner. Je lui dis Marc, désolé, ma décision est prise. Tu ne feras pas changer d'idée, mais j'ai une solution pour toi. Fait que là, je ferme la porte. Ma démission était eff maintenant effective. Une seconde après, j'ouvre la porte de Marc. Je dis Marc. Maintenant que je suis plus employé du l'UQTR, voici ce que je te propose. J'ai démarré une entreprise, une entreprise qui s'appelle Nicolas Boivin Enseignement. Voici ma carte d'affaires. Mon entreprise offre à tous les clients intéressés des services d'enseignement. Donc, si le est intéressé, elle peut contracter les services de ma nouvelle entreprise, Nicolas Boivin Enseignement, et mon entreprise va envoyer quelqu'un dans la salle de classe donner un cours de fiscalité. Là, pour l'instant, j'ai juste moi dans l'entreprise, fait que ça va se donner que ça va être moi. Donc, le jeudi suivant, le lendemain, j'étais dans la salle de classe, puis je donnais mon cours de fiscalité, mais juridiquement, je n'étais plus employé d'UQTR. J'étais vraiment à mon compte. J'opérais mon entreprise d'enseignement et je rendais exactement les mêmes services que je rendais avant à l'UQTR, mais avec mon nouveau chapeau d'entrepreneur. Donc, à la fin de l'année, j'ai chargé les mêmes taux. Pour l'UQTR, ça ne coûtait pas plus cher ni moins cher. Est-ce qu'elle me versait un salaire? Je lui ai chargé la même chose, mais en honoraire. J'ai fait une vraie facture. Là. Une vraie facture. J'ai fait une facture. Facture avec mon logo, mes numéros de taxe. j'ai marqué euh, payable 30 jours. Tu sais, j'ai essayé de faire ça vraiment en pro. J'ai facturé ça à Luc Donc, conclusion, l'UQTR me verse depuis ce temps-là les mêmes montants qu'elle me versait avant comme salaire. Mais moi, je les déclare sur la ligne revenu d'entreprise. Puis surtout, j'ai une tonne de déductions. Une tonne. Tout, tout, tout ce que j'utilise dans le cadre de mon, non, de mon opération d'entreprise est déductible. Venir ici en auto ce matin, déductible. M'acheter euh, du, du matériel pour vous enseigner, déductible. Je peux tout déduire. C'est ça la réalité des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous en pensez? À part que je sais que vous me trouvez intelligent. À part ça. Euh, Elisabeth, marie -Ève. Ouais. Merci Marie-Ève, chose? Quelqu'un avait une, une, une idée? Marie-Ève, tu la sortir ta pancarte? Ah, Bien, effectivement. Marie-Ève a raison, puis dites-vous que si moi je pouvais faire ça, si moi je peux faire ça, tout le monde pourrait faire ça. Tout le monde, tout le monde pourrait, peu importe ce que vous faites comme travail, pourrait démissionner de son travail, prétendre se partir une entreprise, puis après ça, aller offrir les mêmes mêmes services à son ex-employeur qu'on qu lui rendait avant à titre d'employé. Tout ce que j'ai vous expliqué comme manège, tout le monde pourrait le faire. Et ça ne marche pas. Okay? Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Tout ça, c'est une pièce de théâtre qui n'a aucune valeur juridique. Dans les faits, ce qui va déterminer si tu déclares du revenu d'entreprise ou du revenu d'emploi, ce n'est pas toute ta belle histoire, toute ton château de cartes, comme un peu je vous ai raconté. D'avoir une carte d'affaires, euh, d'avoir un pad de facture, même d'avoir un camion lettré, puis d'avoir un beau discours comme j'ai pour faire à croire que tu es une entreprise et non pas un employé, employé c'est de la poudre aux yeux. Ça n'a ça aucun intérêt. La seule chose qui intéresse le gouvernement, c'est les juges qui ont dit ça, là, ça s'est rendu en jurisprudence. C'est quoi la différence entre un employé et une, entre un, une entreprise? Il faut que vous nous le disiez pour que le, le, le gouvernement et les contribuables puissent régler ça. Les juges ont dit, dans le fond, là, il faut aller vérifier quatre critères. On va aller voir quatre critères, puis fondamentalement, on va aller voir c'est quoi la relation entre toi et celui qui te donne le travail. Si la relation, elle ressemble plus à une relation employeur-employé, on va aller voir les quatre critères, mais si la relation elle ressemble beaucoup plus à une relation employeur-employé, peu importe toute ton histoire, on va te considérer comme un employé. Donc, ce n'est pas tout de dire que tu es une entreprise, comme dans mon histoire. Il faut que tu agisses ainsi. Et ça agit comment, une entreprise? Ben, allons voir. Quatre critères. La première, la subordination Effectif du travail. Vous voyez toutes les questions qu'il faut se poser ici. Mais en résumé, le premier critère dit dans une relation employeur-employé, il y a un patron. L'employeur, il est le patron et il a le pouvoir pour te dire il a le pouvoir sur toi et il peut t'ordonner des choses. Ce n'est pas vrai que, que tu es, es, es libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Il y a, il, dans une relation employeur-employé, il existe un lien de pouvoir. Donc, pose-toi quelques questions là-dedans. Là. Est-ce que il peut, ton employeur peut te surveiller? Est-ce qu'il peut te dire euh, c'est quoi tes, tes horaires de travail? À quelle heure tu commences? À quelle heure tu finis? Est-ce que ton employeur peut te dicter ton lieu de travail? Donc, à chaque fois que tu réponds oui à cette question-là, tu es en train de prouver, dans le fond, que tu as un patron. Tu n'es pas si libre que ça, finalement. Donc, moi, dans ma petite histoire, l'UQTR a encore beaucoup de pouvoir sur moi. Moi, il m'oblige à enseigner le jeudi matin à 8 h. Il m'oblige à enseigner à midi. Je ne peux pas faire ce que je veux. J'ai encore quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire. Donc, pour mon histoire, ce critère-là ne serait pas respecté. Deuxième critère, l'aspect économique. L'aspect économique dit si tu es vraiment en entreprise, ça veut dire que tu assumes les risques de perte. Un tra être travailleur autonome, ce n'est pas une joke. Peut-être que tu peux faire des années où tu vas faire des profits, mais ça peut être l'inverse aussi. Quand tu es en affaires, il y a un risque de perte. Un déneigeur là, qui est à son compte puis qui déneige des cours, ça se peut qu'une année il fasse une perte. S'il neige tous les jours et qu'il va déneiger tous les jours, il va arriver dans le trou. Il va avoir plus de dépenses que de revenus. Il y a cette réalité-là. Un employé, est-ce qu'il a des risques de perte? Aucune. Le matin même avant de travailler, tu sais combien tu vas gagner. Il n'y a aucun risque. Au début de l'année, tu le sais combien tu vas gagner, à part les heures supplémentaires que tu ne connais peut-être pas. Ce n'est pas vrai que tu comment comme employé, que tu as peur de faire une perte une année. Ça n'existe pas, cette réalité-là. Donc, moi aussi, à l'UQTR, ouf, pas, pas grand chance de faire des pertes parce que je travaille, je travaille, je travaille, puis je n'ai pas de dépenses, puis l'employeur, l'UQTR paye tout pour moi, en réalité. Euh, donc, je n'ai pas de risque économique, malgré mon histoire que je suis une entreprise, ça ne tient pas la route. Donc, euh, est-ce qu'il est, qu est en cours des risques? Est-ce qu'il est propriétaire de ses outils de travail? Quand on est entrepreneur et qu'on va rendre un service, on amène tous ses outils. Si tu engages un plombier, il ne te dira pas Je peux-tu avoir tes pinces je peux avoir... Non, non, il va arriver avec ses outils. Mais un plombier qui travaille à l'UQTR, pensez-vous qu'il fournit ses outils? Oh, pas tout, lui, fournit du temps. Il offre son temps contre un salaire. Donc, il arrive ici, tous les outils sont fournis, comme moi, le prof, je ne fournis rien. Tout est fourni par l'UQTR. Je fais juste. Vendre mon temps contre un salaire. Donc, ça aussi, c'est un indice. Le, travail le travailleur travaille-t-il pour plusieurs clients? Si tu es, en si es un entrepreneur, tu devrais avoir beaucoup de clients. Nicolas Boivin Enseignement, savez-vous voit combien de clients il offre ses services d'enseignement? Un. L'UQTH, si. Lundi ou mardi, je suis tous jours, je fais yin, je suis tout le temps dans les à l'UQTR ou je réponds toujours à des étudiants de l'UQTR. Je ne clair, respecte clairement pas ce deuxième critère-là. Le troisième, le critère spécifique, les juges ont dit un travailleur autonome, ça va offrir son travail pour un, un mandat précis, un mandat qui a un début puis une fin. Donc, si j'engage un déneigeur, c'est clair le mandat. Tu déneiges du, du, du 30 septembre au 1er avril. Après, la relation est finie. Si tu engages un travailleur autonome pour venir laver les vitres à l'UQTR, le mandat il est clair. Tu laves toutes les vitres. Quand tu fini, c'est terminé. Donc il est délimité le mandat. Avec un employé, est-ce que c'est délimité Non. Quand tu engages un employé, tu l'engages et ça durera le temps que ça durera. Ça peut durer deux ans, ça peut durer trois ans, ça peut durer dix ans, vingt ans. Puis tu ne sais pas à l'avance quand est-ce que ça va finir. Puis tu ne sais pas à l'avance qu'est-ce qu'il va faire exactement. Tu évolues avec lui puis tu le gardes tant que ça. Donc c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus. Beaucoup moins, moins euh, encadré et défini la relation avec un employé que ça peut l'être avec un travailleur autonome. Dernier, euh, dernier critère, l'intégration des activités. Les juges ont dit normalement, normalement, le core business d'une organisation, excusez-moi, l'activité principale d'une organisation, le cœur d'une organisation, d'habitude, on va y trouver des employés, d'habitude. Puis, d'habitude, les travailleurs autonomes vont plutôt venir faire des activités connexes, à, à, qui ne sont pas le cœur d'une entreprise. C'est quoi les principales tâches d'un prof d'université, d'un enseignant d'université? C'est quoi la, les principaux, euh, le core business de l'université, ses principales fonctions? C'est d'assurer de, 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 de l'enseignement, puis d'assurer de la recherche. Donc, normalement, ceux qui font ça devraient être employés de l'UQTR. Donc, les profs, les chargés de cours, les chercheurs, c'est toutes les profs de l'UQTR parce que c'est le core business de l'université de faire ça. Est-ce que c'est le core business de faire de la poutine à la cafétéria puis de vous la vendre, la vendre le midi? Non. Là, on pourrait peut-être trouver une entreprise. Comme de fait, les employés qui font la poutine puis qui vous la servent à la cafétéria ne sont pas employés de l'UQTR. On a sous-contracté une entreprise pour faire ce travail-là. Donc, ça, vous voyez, c'est comme… Comme un peu, le, on remarque un peu que c'est respecté ces critères-là. Que l'UQTR engage une entreprise pour nettoyer les vitres, ça serait une entreprise externe, ce ne serait pas surprenant. Mais que l'UQTR engage une entreprise externe pour enseigner ou faire la recherche, ce serait difficile à croire. Donc, Donc à la lecture de ces quatre critères-là, vous devez tirer un tranché. Est-ce que vraiment je suis en présence d'une entreprise ou d'un employé? Si vous concluez que c'est une entreprise, bien. Appliquez pas le, revenu, le calcul, le sujet 4 s'applique pas. Vous concluez que c'est une entreprise. Mais si vous concluez que c'est un employé, effectivement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va s'intéresser à un calcul de revenu d'entreprise. Des questions là-dessus? OK. Alors, euh, on s'en va au cas dans 5-10 minutes. Je vais juste vous montrer les, les points importants dans le livre qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais je euh, mon but, ce n'est pas de les enseigner assurément. Donc, le calcul du revenu d'emploi, comme vous le devinez, c'est bien sûr, ça inclut le salaire qui nous est versé par notre employeur, mais vous, je pense que vous avez commencé à comprendre que c'est beaucoup plus que ça. À partir de maintenant, il faut voir la, la notion de revenu d'emploi comme étant l'enveloppe salariale au sens large. Peu importe comment un employeur s'y prend pour rémunérer son employé, ce n'est pas toujours sous forme de salaire ou sous forme de bonnie. Il n'y a pas toujours un versement d'argent qui est fait. Il peut y avoir plein d'autres façons pour un employeur de rémunérer un employé. Mais dans tous les cas, la loi de l'impôt dit ça, puisque l'employeur a donné quelque chose à son employé, il a enrichi son employé. La loi de l'impôt dit à l'employé tu dois le calculer, le montant de combien tu t'es enrichi et l'inclure dans ton revenu d'emploi. C'est ça le message. Si, par exemple, on a un haut dirigeant qui, sur le, un VP finance, qui, sur le marché, a une va vaut entre guillemets, là, 200 000 par année. Imaginez qu'il va travailler pour l'entreprise A et que l'entreprise A, la, la, la façon de le payer, c'est un salaire. Un salaire de 200 000 rien d'autre. L'autre possibilité, ce serait d'aller travailler pour l'entreprise B. L'offre salariale de l'entreprise B est un petit peu différente. C'est un salaire de 150 000 plus une auto fournie. C'est le fun. Quand ton employeur te fournit un mobile ça vaut quelque chose, ça, une auto fournie. Donc, quand on fait les calculs, on juge que ça, on, on, on remarque que ça vaut à peu près 20 000 pour fin de discussion. Ensuite, l'employeur lui fait un prêt, un prêt d'argent, mais sans intérêt. C'est le fun, ça, se faire prêter de l'argent sans intérêt. Essayez ça à la banque, vous. Rentrez à la banque et demandez un prêt sans intérêt. On vous dit non, c'est quoi de l'argent emprunter. Mais moi, mon employeur, il me le fait sans intérêt. Donc, je m'enrichis de 5 000 avec ça. Mon employeur me donne des options d'achat d'actions qui me permettent d'acheter des actions de, de l'entreprise moins chères que la valeur au marché. Je J'ai un bel avantage avec ça. Admettons pour une valeur de 20 000. Mais vous comprenez que, je ne sais pas ça a balancé, mais toute mon histoire dans le, pour l'employeur B, ça donne aussi 200 000. Dans les deux, dans les deux cas, l'employé s'est fait enrichir de 200 000. Dans un cas, c'était salaire seulement. Dans l'autre cas, c'était salaire un peu moins plus autre avantage. Mais dans les deux cas, l'employé s'est fait enrichir de 200 000 Donc, dans les deux cas, ça prend la même inscription dans le rapport d'impôt. Dans les deux cas, ça prend un plus 200 000 dans le revenu d'emploi. Donc, on va s'intéresser à tous ces fameux euh, avantages imposables qu'on appelle, qui sont des modes de rémunération autres que le fameux salaire. Donc, je, rapidement, je vous l'ai dit en un mot quand vous, a, vous allez les rencontrer dans le problème d'aujourd'hui et vous irez lire dans les parties correspondantes dans le volume. Première façon de rémunérer un employé, 3.2, en lui payant des dépenses personnelles. Donc, si un employeur dit à un employé, toutes ces dépenses personnelles-là qui t'appartiennent, je m'en occupe, je te les paye. Ben, C'est un méchant bel enrichissement, là. Donc, je ne sais pas, moi, des dépenses personnelles, mon épicerie, mon logement, mon linge, peu importe. Tout ce que je, normalement une personne devrait payer, si l'employeur dit à son employé, T'occupe, t'occupe, je vais payer ça pour toi. Je vais te payer euh, un logement, je vais te payer ton épicerie, je vais payer l'école privée de tes enfants. C'est tous des éléments qui sont imposables. C'est la même chose que verser un salaire. 3.3, des allocations. Une allo... Donc, ça, c'est un contexte où l'employé en cours de dépenses. Dans le cadre de son emploi. Donc, l'employé doit payer des choses de sa poche et après, l'employeur lui donne une allocation pour le dédommager. Donc, recevoir une allocation pour nous dédommager de certaines dépenses, parfois, c'est imposable parce que parfois, l'allocation est plus élevée que les dépenses. Donc, si j'ai encouru des dépenses qui ne sont pas si élevées que ça, puis l'employeur te dit Donc, Tiens, je vais te dédommager avec une allocation de 5000 $», 000 c'est sûr que je me suis fait enrichir. Donc, recevoir une allocation, la règle générale dit c'est imposable. Se faire fournir une automobile, c'est sûr que c'est imposable. Quel bel avantage imposable! Ben, je ne dis pas bel, beau, dans le sens qu'au au niveau fiscal, c'est avantageux, mais ça frappe l'imaginaire. Tout le monde rêve de ça. Avoir une job où l'employeur te dit Moi, là, je te fournis une BMW, mon jeune. Garde ton tarcelle, ta tarcelle, vends-la, puis je te fournis une auto. L'assurance est payée, l'immatriculation, l'essence, le, les changements, je n'ai rien à payer, puis il me l'a fourni. Méchant beau cadeau. Donc, c'est imposable. Il va falloir quantifier. Ça vaut combien, ça, se faire fournir une automobile comme ça pendant un an? Autre façon de rémunérer un employé, lui faire un prêt sans intérêt. J'en parlais tout à l'heure. Si mon employeur me dit, je te prête 200 000 pour t'acheter une maison, puis je ne te charge pas d'intérêt. Méchant beau cadeau. Allez à la banque emprunter 200 000 vous allez voir combien ça coûte d'intérêt. L'employeur, lui, renonce à l'intérêt. Donc, quelque part, il vous enrichit de cet intérêt-là qu'il ne vous charge pas. Il faut, donc, il va falloir faire des calculs et mettre l'enrichissement dans le revenu d'emploi. Les prestations d'assurance salaire, un contexte où un employeur te couvre d'assurance collective contre la maladie et les accidents. Donc, si, par exemple, toi, tu as peur de tomber malade ou d'avoir un accident, puis tu as peur de manquer des journées de travail, s'il existe une assurance pour ça, ça s'appelle une assurance, une assurance contre la maladie et les accidents. Contre n'importe quelle peur, il y a un assureur qui est prêt à vendre une assurance. Ben ça, c'est personnel. C'est à toi de payer ça. Si tu as peur d'être malade, paye-toi une assurance contre la maladie et les accidents. Imaginez, l'employeur dit T'occupe, je m'en occupe. T'occupes le jeune. Ton assurance contre la maladie et les accidents, je m'en occupe. Pas l'employeur normalement à payer ça. C'est une dépense personnelle que l'employé devrait payer. Si l'employeur le paye, imposable. Euh, les autres sont un petit peu plus. Le, le 11, on le verra pas parce qu'on finit, nous, ici, pour euh, aujourd'hui. Euh, ben, Ta caillage fini. Des chantiers particuliers, c'est un contexte où on demande à un employé pendant quelques temps d'aller travailler très, très loin, dans un, un lieu de travail très loin. Je t'envoie dans une ville minière dans le nord du Québec pendant un mois ou deux, ou je t'envoie encore plus loin là, dans le nord du Québec. Il y a des exceptions dans ce contexte-là. On va permettre qu'un employeur te paye, c'est logique. Hein? On, va accepter, on va permettre que l'employeur te paye ton logement, ton transport, ta nourriture le temps que tu es là. Parce que c'est un contexte spécial où il t'a envoyé très, très loin pour faire un travail. Je vous rappelle que normalement, un employeur qui te paye ta nourriture et ton logement, ce serait un avantage imposable. C'est une dépense personnelle, ça. Mais dans certains contextes, on l'accepte. Et on termine avec l'aide au logement. Vous irez voir, tous les contextes où l'employeur t'aide à te loger, c'est un contexte d'avantage imposable. Donc pour aujourd'hui, on en a 10, les 10 que j'ai cochés. Vous allez en vivre beaucoup dans le problème d'aujourd'hui. Donc, euh, essayez d'aller voir dans le volume les sujets, chacun des sujets, et euh, on va bien sûr résoudre ça ensemble. Des questions? Good. Alors, votre problème, comme vous devinez, vous allez le trouver au portail de cours. Donc, si c'est la section documents ici vous avez le problème de la semaine 4. Donc, je vous laisse regarder ça euh, un petit peu ici. Mais essentiellement, on a euh, quatre, euh, quatre employés d'une compagnie qui s'appelle euh, Telecom Management. Donc, ici, on, on voit on un, petit, un petit extrait de leur intranet. Là. Ici, on a quatre dirigeants, Francis, Yves, Steve et Patrick. Et on voit toutes leurs conditions d'emploi. Donc, tous les salaires et avantages que ces gars-là touchent dans l'année. Donc, à partir de cette information-là, qui sont essentiellement les conditions d'emploi de ces quatre dirigeants-là, pour les quatre personnes, vous allez devoir calculer leur revenu d'emploi. On va faire ça par étapes. Je vous laisse commencer. Dans 4-5 minutes, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va prioriser. On, on va le faire en trois étapes, finalement. Là. Donc, je vais vous dire sur quoi prioriser pour la première étape. Mais je vous laisse euh, commencer à regarder ça. À tantôt. Solution ensemble. Pour ce cas-ci, je vais vous expliquer la situation pour uh, Francis Fraser. Le total de vos montants donné quatre, devait donner 485 000. Beaucoup l'ont eu. Puis, je n'aurais pas besoin d'aller vous montrer les. Ben, je vais vous montrer rapidement les quatre autres, mais toutes les, les, les explications et les positions qu'on va prendre ici s'appliquent de la même façon pour les trois autres. Bon, puis comme je disais tout à l'heure, Comprenez que ce n'est pas, pas ça qui est important. Quelqu'un pourrait dire ben, j'ai pris le 325 euh, j'ai pris 150 puis le 10 au feeling, je l'ai additionné, puis j'arrive au bon montant. Ce n'est pas ça l'important, c'est que tu trouves, pour, tu comprennes le, le traitement fiscal, ou à, à tout le moins que tu l'aies vu dans le livre. Chaque geste que je te fais poser, c'est écrit dans le livre. Moi, je présume que tu ne connais rien en fiscalité. Donc, dans le livre, là, chaque position, chaque bon traitement fiscal qu'il faut appliquer, il est écrit. Fait que je vais me faire un devoir un devoir dans, dans, les, dans la présentation qui s'en vient d'aller vous montrer dans le volume où c'était écrit comme ça à l'examen quand je ne serai pas là pour t'aider tu vas être tout seul avec ton matériel pédagogique si tu fais vraiment l'effort d'aller voir dans ton pour, pour les choses les plus euh, pour certaines choses tu vas tout trouver ce qu'il te faut dans ton volume tout est écrit je comprends qu'il y a beaucoup de choses je ne dis pas que c'est facile mais je m'efforce moi de vous, de vous prouver que toutes les réponses étaient dans le livre c'est ça l'étude d'une loi hein? la réponse est dans la loi on en avait parlé. Bon, fait que les gars, ils ont reçu des. Euh, au, niveau des au niveau des salaires, je vais vous montrer ici, là. Donc, au, au niveau des salaires, les gars ont, ont, ont encaissé des salaires dans l'année. Et aussi, comme on compte tenu que les cycles de paye sont aux deux semaines, il arrive aussi qu'en fin d'année, par exemple, les une semaine ou deux, peut-être à la fin de 2000 X, qui, qui a été travaillé par les employés, mais qui ne sont pas reçus en 2000 X, parce que c'est payé le jeudi euh, suivant. Donc, ici, on a un certain montant qui est, dans le fond, les revenus gagnés sur les dernières semaines de 2000 X, seulement reçus en 2000 Y. Ça, ce n'est pas imposable. C'est la même chose pour les bonnies. Ce, ce, qui, ce, qui ce qui a été reçu en, en 2000 Y n'est pas imposable pour les employés. Pourquoi? Allons voir dans le volume. C'est le premier sujet. Donc, notre premier élément, 3.1, je vous rappelle qu'on en a 11 des, des inclusions possibles. Le premier, c'est les salaires et autres, oh, pardon, les salaires et autres rémunérations. Donc, on parle de salaire de, de, de bonnie, je ne sais pas si on en parle, euh, en plus de la rémunération régulière. Là. Mais le mot le plus important, c'est celui qui est ici, reçu. Okay? Donc, ici, reçu dans l'année. Donc, quand, dans le calcul du revenu d'emploi, si tu as reçu le montant, c'est imposable. Si tu ne l'as pas reçu en 2000 X, ce n'est pas imposable en 2000 X. Ce sera imposable l'année prochaine, parce que reçu en 2000 Y. Donc, l'élément clé ici, c'était celui-là. Donc, euh, ensuite, les avantages imposables, euh, on en avait quelques-uns qui, qui ont été versés aux employés, mais seulement 10 000 imposables. Donc, les les, donc euh, par exemple, euh, ici, ici l'employeur participe au fonds de pension de ses employés. Ça, c'est une dépense personnelle. Tu as créé un coussin financier de mettre de l'argent de côté pour ta retraite, ça t'appartient. Chaque personne est responsable de se faire de l'épargne pour sa retraite. Qu'arrive-t-il quand un employeur te dit, je m'en occupe, je m'en occupe. occupe de ça, je vais prendre de mon argent et je vais le mettre dans un fonds de pension pour ta retraite? C'est clairement une dépense personnelle de l'employé payée par l'employeur. Donc là, en ce moment, je parle vraiment de la portion payée par Télécom, ici-là. Le 1008, le 1008, le 1008, le 1008 pour chacun des quatre dirigeants. Ça, on a ça dans le volume ici à la deuxième 3.2. Ça, c'est une dépense personnelle de l'employé assumée par l'employeur. La règle générale dit tout est imposable, tout est à inclure. Ça, c'est la règle générale. À toute bonne règle générale, a ses exceptions. Ici, vous avez une série d'exceptions. Donc, si, vous cadre, si vous, votre montant cadre dans l'exception, vous ne l'incluez pas. Et comme de fait, qu'est-ce qu'on trouve ici La cotisation payée par l'employeur au fonds de pension de son employé, le fameux RPS. Donc, à, parce que dans le livre, ça fait partie des exceptions. C'est pour cette raison-là qu'on n'appliquait pas la règle générale et qu'on n'imposait pas le 1800. La logique de la loi, c'est de dire l'employé, on ne l'impose pas tout de suite, mais on va l'imposer plus tard. L'employé, il ne s'en tirera pas, ça va être à la retraite. Tous ces montants-là que l'employeur met pour lui dans son fonds de pension, si cette année, ce n'est pas imposable pour l'employé, l'employé peut bien sourire et être content, mais ce n'est que partie remise. Parce que quand il va arriver à la retraite, l'employé, puis qu'il va retirer les sommes de son fonds de pension, là, ils vont être imposables. C'est juste qu'on ne l'impose pas tout de suite. On parlera des fonds de pension en temps et lieu, mais vous comprenez, tout est écrit. C'est juste ça que je veux vous montrer. Ce n'est pas un hasard qu'on applique cette position-là. Elle est écrite. Ensuite, euh, qu'en est-il de la portion de l'employé? Donc, l'employeur met 1 800 pour ma retraite. On, a dit, on vient de dire que ce n'était pas imposable. Qu'en est-il maintenant? Moi aussi, je mets de l'argent dedans. L'employeur en met, mais moi aussi, le dirigeant, je mets 1 200 de ma poche et je le mets dans mon fonds de pension. Euh, non, pas vraiment. Mais c'est surtout que vous comprenez qu'il n'y a pas d'enrichissement. Est-ce que, est que dans cette action-là, qui consiste à prendre 1200 de ma poche et le mettre dans, mon, dans un fonds de pension pour ma retraite, est-ce que dans ce geste-là, mon employeur m'a enrichi? Non. Mon employeur ne m'a rien donné. C'est moi qui ai pris de mon propre argent et qui l'ai mis dans un fonds pour ma propre retraite. L'employeur n'a rien à voir là-dedans. Donc, le 1200 se place à nulle part. C'est assurément pas une inclusion. C'est le contraire d'une inclusion. Mon employeur ne m'a pas enrichi de 200 dans cette situation-là. C'est moi qui ai pris 1200 dans ma poche pour le mettre dans mon fonds de pension. Donc, il y aura peut-être un traitement pour ça plus tard, on verra. Mais au niveau des inclusions, sur quoi on travaille en ce moment, ce n'est clairement pas un enrichissement de mon employeur. Dernière chose, mon employeur m'a donné des. Donc, dans mes conditions d'emploi, c'était prévu, comme c'est une compagnie d'électronique, mon employeur me donne le droit de sortir du matériel électronique pour mes besoins personnels, pour ma, pour ma maison personnelle. Là, je peux installer ça chez moi puis en profiter. Ça n'a rien à voir avec mon emploi. C'est vraiment un cadeau, ben, pas un cadeau, mais c'est vraiment un, une permission qu'il me fait de sortir du matériel informatique à chaque année. Donc, ces montants-là sont des montants imposables. Donc, c'est pour ça qu'on va les retrouver ici. Euh, imposable dans le revenu d'emploi, le fameux matériel informatique de 10 000. Si on va voir dans le volume où c'est écrit ça, que du matériel informatique, c'est imposable, il faut que ce soit, soit écrit. Tout doit être écrit dans le livre, je vous l'ai dit. Donc, oui, quelqu'un Non, ça c'est d'autres choses, je vous remercie. Mais ça c'est un cadeau, récompense, on en reparlera après. Ça c'est vraiment, ça fait partie de 3.2 ici. Dépenses personnelles de l'employeur assumées de l'employé pardon, assumées par l'employeur. Ça fait partie de 3.2. Moi, la règle générale dit quoi Tous, ils sont tous imposables, sauf des exceptions. Est-ce que vous voyez du matériel informatique dans les exceptions Non. Donc si le matériel informatique n'est pas dans les exceptions, qu'est-ce que ça veut dire C'est la règle générale qui s'applique. Par exemple, que ce soit écrit noir sur blanc, le matériel informatique est imposable. C'est ça du droit, c'est ça une loi. Une loi dit tout est imposable, puis après, dans un deuxième article, dit voici les exceptions. Donc, si tu ne cadres pas dans les exceptions, c'est donc que tu cadres, tu dois appliquer la règle générale et tu imposes le matériel informatique. Il y en a plein d'éléments imposables, là, ils ne sont pas nommés. Payé, si tu payes l'épicerie de ton employé, imposable. Si tu payes l'école privée d'un enfant de ton de l'employé, imposable, parce que ce n'est pas dans les exceptions. Y a des, donc, ça, c'est ce qui supporte les bonnes réponses les bonnes, que vous avez, que vous devez trouver ici. Ça s'applique de la même façon pour les quatre dirigeants. Inutile d'aller vous montrer les autres onglets pour l'instant. Puis, vous voyez que je n'ai pas, pas inventé ça. C'est supporté par un, un écrit dans le volume. Votre question? Je vous montre une dernière chose avant de vous remettre au travail. Euh, on est toujours. On est toujours ici là, dans les fameuses dépenses personnelles de l'employé assumées par l'employeur. La règle dit tout est imposable sauf exception. Okay? Euh, L'ARC, l'Agence du revenu du Canada, a émis des positions administratives sur trois, trois petites choses que je voudrais vous montrer. Je les ai écrites dans le volume. Donc, pourquoi je vous parle de positions administratives? Parce que la loi est muette. Qu'arrive-t-il quand un employeur donne un cadeau à son employé? dans une occasion spéciale. C'est son, euh, son anniversaire ou, de, ou son anniversaire de mariage où ça fait dix ans qu'il travaille pour la compagnie, puis on lui donne une dinde. cest imposable, ça, recevoir une dinde pour nous féliciter de nos dix ans de, de carrière? La loi est muette. Deuxième question, qu'arrive-t-il si ton employeur te paye des frais de scolarité? Frais de scolarité qui vont te rendre plus intelligent, possiblement parce qu'il t'envoie faire une maîtrise, disons. Hey, mais sûrement, sûrement qu'à ton retour, tu vas être un meilleur employé aussi. Si tu imposable, ça, se faire former, se faire payer une formation par son employeur, la loi est, mu la loi est muette. Troisième question, qu'en est-il s'il te paye C'est quoi dans, euh, mon troisième, <laughs> Maurice Tes cotisations professionnelles, oui, merci. Donc, moi, je suis CPA, ça me coûte, pour maintenir mon, mon statut de CPA, ça me coûte 1000 pièces par année. Beaucoup d'employeurs le payent. Beaucoup d'employeurs disent à leur employé C'est comme j'exige que tu sois CPA, comme je, ça me, je souhaite que tu aies ce titre-là, je vais payer ta cotisation professionnelle. C'est imposable, ça, un employeur qui paye ta cotisation professionnelle. La loi est muette. Dans les trois scénarios, la loi est muette. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand une loi est muette Pas de réponse dans la loi. Le législateur n'a jamais pensé en parler. On va aller voir dans les autres sources de droit. Jurisprudence et surtout position administrative dans ce cas-ci. Donc, l'ARC s'est positionné. Pour ces trois enjeux-là, voici la réponse de l'ARC. Puis tu as une collègue à la derrière qui en faisait référence tantôt, mais donc l'Agence du revenu dit la chose suivante, en résumé, là, position de l'ARC sur les cadeaux et récompenses. L'ARC dit c'est correct. Un employeur peut effectivement faire un petit cadeau à un employé. D'accord? Pour une occasion spéciale, mais vraiment une occasion spéciale dans sa vie. Là. Il ne faut pas que ce soit un salaire déguisé. Là. Donc, on veut. Il faut vraiment célébrer quelque chose dans la vie personnelle de l'employé. Donc, on peut donner un cadeau, mais maximum 500 et il ne faut pas que ce soit en argent. Il faut absolument que ce soit autre chose que de l'argent. Donc, ça, un cadeau en argent, l'exemption de 500 ne s'appliquera pas. Donc, ça prend un cadeau qui est une bébelle, une dinde, un stylo, une montre. Si tu donnes ça à ton employé pour une occasion spéciale dans sa vie, le premier 500 n'est pas imposable. Donc, si tu donnes une montre qui vaut 700, bien, il y a 200 qui vont être imposables. 700 moins l'exemption de 500, 200 sera imposable. Si tu donnes une montre de 300 piastres, c'est aucunement imposable. Mais ça prend, comprenez, il ne faut pas que ce soit de l'argent, que c'est vraiment une bébelle. Deuxième position de l'ARC pour les frais de scolarité. L'ARC dit, c'est correct. Si ton employeur te paye des frais de scolarité et que c'est en lien avec ton poste, c'est correct ça ne sera pas imposable. Donc, si tu si es un gestionnaire et on t'en va faire un cours de, de, pour améliorer tes, tes compétences en gestion, c'est correct. Ce n'est pas un avantage imposable. L'employeur, il trouve son compte, autrement dit. Mais si tu en vas faire un cours de cuisine orientale le soir parce que ça t'intéresse, c'est pas sûr que ça, 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 je pense que ce serait imposable parce que ce n'est pas en lien avec l'emploi. C'est juste de la logique. Et au niveau des cotisations professionnelles, c'est la même chose. On accepte, dernière position, on accepte. Euh, je suis passé les cotisations. Je l'ai passé hein, ici, oui. Les cotisations professionnelles, si on accepte que ce ne soit pas imposable. Si ton employeur paye ton statut de CPA, même si normalement, ça devrait être toi qui payes ça, on accepte que ce ne soit pas imposable parce que l'employeur, y trouve son compte. C'est bon? Donc, trois petites positions administratives qui sont très, très fréquentes. Ça, je vous en parle. On voit ça partout, ces situations-là. J'ai cru bon, vous en parler. OK. Alors, on va. Euh, puis, juste votre. Euh, c'est qui, tantôt, qui a parlé de. Tantôt, il y a une de vos collègues. C'est euh, Gabriel, Karine, Kariane. Kariane, c'est toi qui m'as parlé des cadeaux-récompenses hein, pour le matériel informatique? Tantôt, je parlais du matériel informatique que les gars sortent à chaque année de la compagnie. Puis, Kariane a dit que c'est possiblement un cadeau et récompense, puis on pourrait appliquer l'exemption de 500 dollars. Mais vous comprenez que ça n'en est pas un. Là. Je ne sais pas si c'était si, suite à mes explications, si Kariane est, est convaincue ou si vous l'êtes. Mais les, les gars, ce n'était pas pour leur fête qu'on leur donnait un équipement informatique. C'était à chaque année. Dans leurs conditions d'emploi, ces gars-là peuvent sortir de l'équipement informatique. Donc, ça ne rencontre pas la. La fame... Ça ne rencontre pas la, la, la définition d'un cadeau récompense. Ce n'est pas ça un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que tu fais à chaque année, que tu sors à chaque année dans ton contrat d'emploi. C'est vraiment occasionnel, de bonne foi, pour souligner un anniversaire quelconque. Donc, a... c'est pour ça qu'on ne traitait pas les ordinateurs comme des cadeaux. Et, pour... Et c'est pour cette raison-là qu'on n'appliquait pas la fameuse exemption de 500 dollars sur l'équipement informatique. C'est bon? OK. De... Juste avant, on va s'attaquer au deuxième sujet. Oui, on va avoir 22 minutes, on va avoir le temps. On prendra la pause euh, après. Le deuxième sujet concerne les allocations versées par un employeur. D'accord? Je vais juste vous le présenter vite, vite. C'est quoi ça, une allocation payée par un employeur? C'est une situation où un employé, dans le cadre de son emploi, doit payer certaines dépenses de sa poche. Donc, si moi, mon employeur me dit, Nicolas, dans le cadre de ton emploi, je veux que tu partes pendant trois jours au lac Saint-Jean, tu prends ton auto, tu y vas, donc tu vas user ta propre auto, tu vas consommer ton propre carburant, il va falloir que tu payes l'hôtel pendant trois jours, il va falloir que tu manges dans un restaurant pendant trois jours. Donc, pendant trois jours, mon employeur m'envoie à l'extérieur. Normalement, je vais avoir une entente avec lui en lui disant tous ces frais-là, tu devrais me les rembourser. Ce n'est pas à moi, Nicolas, à assumer ça. Ce n'est pas à moi à m'appauvrir. Pendant trois jours dans les restaurants, dans les hôtels, quand c'est toi qui m'envoies là. Donc, la plupart du temps, l'employeur va dire C'est vrai, c'est à moi à assumer ça, je vais te dédommager Deux sortes de dédommagement. Okay? Le un, le remboursement de dépenses. Un remboursement de dépenses, ça veut dire que je vais soumettre les, les factures à mon employeur et il va me les rembourser intégralement. Donc, j'ai des factures au saint hubert j'ai des factures à l'hôtel, mon essence, je broche tout ça, ça donne 328 dollars. Et mon employeur me rembourse 328 dollars. Est-ce qu'il m'a enrichi? Est-ce que j'ai dans cette, cette situation-là, moi, je viens d'être enrichi? Non. Je suis appauvri de 328 et on m'a redonné 328. Je suis revenu au même niveau que si je n'étais jamais allé au Lac Saint-Jean. Donc, un rapport de dépense, ce n'est jamais imposable. Parce qu'on est, on est sûr que l'employé n'est pas enrichi. Deuxième façon de rembourser un employé. Il y a beaucoup d'employeurs qui disent c'est trop compliqué des remboursements de dépenses. J'ai plein d'employés, plein de factures, c'est compliqué à gérer. Moi, je prends une autre façon. Je vais te verser un montant d'argent approximatif pour tout te dédommager. C'est ça, une allocation. Une allocation, c'est un montant approximatif que l'employeur va me donner pour me dédommager et il ne me demande aucunement mes factures. T'es garde tes factures, voilà 400 d'allocation pour ton fameux trois jours au lac Saint-Jean. Donc, si je reçois une allocation de 400 dollars comme ça, puis que je n'ai pas besoin de soumettre aucune facture, est-ce que je me suis enrichi? Est-ce que je me suis enrichi? J'ai payé du restaurant, j'ai payé des hôtels et je viens d'encaisser 400 pièces. La réponse, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on ne sait pas si l'allocation est trop, trop élevée ou pas assez élevée. Donc, si on ne le sait pas, on impose. Une allocation, la règle générale, c'est imposable. Donc, règle générale, quand un, un employé reçoit une allocation, c'est imposable. Ce n'est pas la même chose qu'un remboursement de dépenses. Et à toute règle générale, a ses exceptions. Dans certaines situations, on va, certaines allocations ne seront pas imposables. Vous allez voir, c'est des situations où je n'ai pas abusé. Vous irez lire les exceptions, mais en résumé, c'est des situations où on, on est pas mal sûr que l'employé ne s'est pas fait enrichir. Donc, on va accepter, dans certaines situations, de ne pas imposer l'allocation. Sinon, c'est la règle générale qui s'applique. Alors, à vous de jouer. Si on va voir votre travail, on a 20 minutes pour faire ça, environ avant la pause, on peut, on peut dépasser un petit peu. Donc, à la page 2 ici, vous avez une série d'allocations que les quatre gars ont reçues. Les gars ont fait des voyages pendant l'année, ils ont encouru des dépenses au restaurant, dans les hôtels, en prenant leur voiture, en prenant le train, en prenant l'avion. Il y a plein de contextes différents et dans tous les cas... L'employeur a dédommagé les, les, les dirigeants avec une allocation. Vous devez me calculer qu'est-ce qui va être à inclure au revenu d'emploi pour ces quatre gars-là, juste pour la page des allocations. Et le bon traitement, il est dans le livre. Je vous rappelle, règle générale, on impose une allocation, sauf c'est le cadre dans les exceptions que vous trouvez dans le volume. Donc, bon travail. On s'en reparle tantôt. OK, alors on va regarder la solution ensemble au niveau des allocations pour ensuite pouvoir euh, vous permettre de, de travailler sur la dernière partie du, du problème qui est euh, le calcul de l'avantage imposable relié à la voiture fournie parce que les quatre dirigeants aussi, parmi leurs conditions d'emploi, euh, sont toutes assez généreuses, ont une automobile fournie et euh, payée par l'employeur et tout ça. Donc on en parlera après, mais là on se concentre sur les allocations. Euh, je vous demanderais s'il vous plaît de fermer votre téléphone cellulaire comme vous l'avez fait tantôt. S'il vous plaît le fermer, bien le ranger, pas le garder sur le bureau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc essentiellement, donc j'ai regardé vos solutions. Hein. Pour la plupart, il euh, y en a qui ont eu tout bon, puis certains ont des tout petites erreurs, mais c'est correct. Ça veut dire que l'essentiel a été bien, bien analysé. Donc je vous félicite. Donc n'est pas parce qu'on n'a pas tout bon qu'on n'a rien compris, bien sûr. Donc beaucoup de bons traitements ont été appliqués. Puis, Suite à une erreur, qu'on n'a pas le bon chiffre en finalité, mais ce n'est pas grave. Il y a plein de points à aller chercher pour les bons traitements que vous avez appliqués. Bon, je vous rappelle. La règle dit que toutes les allocations sont imposables. Donc, on les impose toutes, sauf si tu cartes dans les exceptions. Vous allez vous voir, c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne une loi. On impose tout, puis après, on y va avec des exceptions. Essentia euh, bon, euh, cette exception-là, ici, on va la biffer, la première, ici. Ça, ça ne s'applique pas à notre cas parce que c'est pour des employés, des employés qui jouent le rôle de vendeur. Quand un employé a le rôle de vendeur, et qui donc il est beaucoup beaucoup plus sur la route qu'un employé de bureau, il y a des conditions différentes, les des, des, des règles sont un petit peu différentes. Donc, pas besoin, ça, notre, nous, nos, nos, deux, nos quatre dirigeants, ce c'était pas des employés qui étaient sur la route pour faire de la vente. Donc, euh, nous, nous, nos deux exceptions sont ici. Okay? Pour les employés qui ne sont pas vendeurs. Donc, nos quatre dirigeants, essentiellement, il y avait deux exceptions. Okay? Celle-là ici, celle-là ici. Je vais attirer votre attention sur des mots, mais juste pour la lire rapidement. Là, ici, on parle comme exception d'une première exception, une allocation raisonnable pour frais de déplacement autre que l'allocation pour l'usage de ton automobile, ton automobile personnel. Pour voyager à l'extérieur de la région métropolitaine où se situe son emploi. Première exception. La deuxième, les allocations raisonnables pour l'usage d'une automobile personnelle. Bon, allocations raisonnables pour frais de déplacement. Tout de suite, l'expression frais de déplacement est définie dans la loi comme le petit dessin ici l'indique. Donc, à chaque fois qu'on vous parle de frais de déplacement, ça englobe tes dépenses d'hôtel. De dépenses de repas personnels au restaurant pendant ton voyage et ça comprend aussi tous les moyens de transport que tu as encourus dans le cadre de ton voyage. Donc, peut-être que ton voyage, tu le fais en autobus, en train, en avion, en bateau, peu importe. Et peut-être que tu as utilisé comme moyen de transport ton propre véhicule. Donc, peut-être que tu as dit, moi, je n'irai pas en bateau, je n'irai pas en avion, je n'irai pas en train, je vais prendre mon auto et je vais faire les déplacements qui sont demandés par mon employeur. Dans tous les cas, c'est ça, les frais de déplacement. C'est tout ça. Donc, pourquoi ici, lui est en jaune-orange puis les autres sont en gris? C'est parce que ce n'est pas la même condition qui s'applique. Vous voyez ici, je reviens en arrière. La première condition, c'est une allocation raisonnable pour tous les frais de déplacement sauf le fait de prendre ta voiture. Donc là, on exclut la petite portion jaune-orange qui est de prendre ton auto parce qu'elle, elle fait partie d'une autre exception. C'est la deuxième. Il y a aussi une, une exception pour le fait que tu prennes ton automobile. Bon, puis essentiellement, il y a trois choses qu'il faut vérifier okay? pour voir si la condition est rencontrée. Je les ai mis en bleu. C'est ça qu'on va vérifier pour chacun de mes quatre dirigeants. Essentiellement, il faut que les frais de déplacement aient été encourus dans le cadre de l'emploi. Donc, c'est sûr que si un dirigeant fait un voyage avec sa famille l'été, en vacances, ce n'est pas du tout pour le travail et qu'il reçoit une allocation de son employeur, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une exception. Donc, première chose à vérifier. Deuxième chose vérifier. il faut que l'allocation soit raisonnable. Ce n'est pas défini raisonnable. Il faut que vous utilisiez votre gros bon sens. Donc, si, je ne sais pas moi, si tu fais des trois jours au lac Saint-Jean et que ton employeur te, te donne tu dors trois nuits à l'hôtel, puis ton employeur te donne une allocation de 300 ou 250 Trouvez-vous ça raisonnable, vous, 250 pour trois nuits? Dans un hôtel au lac Saint-Jean? Cherchez sur Internet. Là. Ben oui, c'est raisonnable, là. ça devait coûter. Ça coûte. Il n'y a plus d'hôtel en bas de 100$, là. coûte 100$ à l par nuit coucher à l'hôtel. Fait que 250$ pour trois nuits, ce n'est pas exagéré. Mais s'il donne 10 000 pour trois nuits au lac Saint-Jean, cest raisonnable? Non. Vous avez le même jugement que moi. Vous êtes capable d'appliquer votre jugement. Donc, il faut que la location soit raisonnable. Et finalement, Important. Troisième condition il faut que le voyage d'affaires ait lieu à l'extérieur de la ville où tu travailles normalement. Donc, si ton emploi est à Montréal, il faut que tu aies fait un voyage à l'extérieur de Montréal. Si tu restes dans Montréal puis que tu encours des frais puis qu'on te donne une allocation ici, ça, la, la troisième condition ne sera pas rencontrée. Donc, on parle d'un voyage à l'extérieur de Montréal. Donc, trois petites conditions à vérifier un, deux, trois pour la première condition. Pour l'allocation auto, c'est plus simple. On vérifie que c'est pour le cadre de l'emploi et on vérifie que c'est raisonnable. Vous voyez, la troisième condition n'est pas là. Pour une allocation automobile, pas besoin d'être allé à l'extérieur de Montréal. Ça, c'est une condition qui est présente dans la première exception. Et dans la deuxième exception, on n'exige pas que tu sois allé, que tu aies fait un voyage à l'extérieur de Montréal. Qu'est-ce que c'est une allocation raisonnable pour l'utilisation de l'automobile? sont on te le dit. Ça, on ne te laisse pas choisir. Une allocation raisonnable pour automobile, c'est fixé ici. Le gouvernement le fixait à ta place. On ne te laisse pas décider. Une allocation raisonnable pour usage de l'automobile, c'est 59 sous par kilomètre parcouru ou moins. Donc, si je t'envoie à Jonquière pendant trois jours puis tu reviens, je vais te demander de me dire c'était quoi le kilométrage que tu as fait. Je vais prendre ton kilométrage et je vais te payer une allocation, euh, un certain montant par kilomètre. Si je te paye 50 sous par kilomètre, c'est raisonnable. C'est en bas de 59 sous ou moins. Je ne t'ai pas enrichi. C'est un peu ça le critère. Hein. Le gouvernement dit 59 sous par kilomètre, c'est vraiment la limite pour dédommager quelqu'un. Plus que ça, tu l'enrichis. Donc, si, on, si mon employeur me verse 50 sous par kilomètre à mon retour, c'est raisonnable. S'il si me verse 59 sous, c'est raisonnable. S'il si me verse 75 sous par kilomètre, il est très généreux, là, je le remercie, mais malheureusement, c'est plus raisonnable. À 75 sous par kilomètre, on juge que tu n'as pas juste été dédommagé on juge que tu as été enrichi. Donc, si on dépasse les 59 sous, là, ce plus raisonnable et on, va, on, va perdre on, on ne tombera plus dans l'exception et malheureusement, on va tomber dans la règle générale. Donc, pour, pour un employé qui fait 5000 km par année, c'est 59 sous. Puis s'il fallait que l'employé ait reçu, ait fait plus de 5 000 km dans l'année, le raisonnable tomberait à 53 sous. Donc, si on a un employé qui a fait 6 000 km dans l'année pour lequel il a reçu des allocations, les premiers 5 000, le raisonnable, c'est 59 sous. Puis le 1 000 de plus qu'il a fait, le raisonnable, c'est 53 sous. Si l'employeur paye plus que ça, ce n'est pas raisonnable. Donc, c'est un peu ce qu'on va aller appliquer à notre situation. Je ne sais pas si vous voulez avoir, peut-être vous mettre l'énoncé sous les yeux. Moi, je vais plutôt aller voir la solution avec vous. Donc, si on commence par euh, Francis, voici les, fra les, les allocations que Francis a reçues. Euh, une allocation pour frais d'hébergement ici. Est-ce que vous pouvez l'énoncé, c'était combien ça? Quelqu'un s'en rappelle? Ouais, merci, merci Marcel, ça m'aide. Je pense qu'on va y aller comme ça. Donc, ici, c'était dix nuits à Boston. Dix hein? nuits à Boston pour 1250 pour un voyage d'affaires. Hein? Je, je vérifie les trois critères que j'ai mis en bleu dans le livre tout à l'heure. Est-ce que c'est un déplacement pour les besoins de l'emploi? Oui. Est-ce que c'est pour un voyage à l'extérieur de Montréal? Oui. Est-ce que c'est raisonnable? 1250 pour 10 nuits à Boston. Ça fait 125 par nuit. C'est raisonnable. Si vous trouvez sur Internet moins cher que ça, vous ne trouverez pas. C'est en masse raisonnable. Donc, les trois conditions sont respectées. Je juge que ce n'est pas imposable. Deuxièmement, c'était une allocation pour ses repas. Est-ce que c'est encore à Boston, ça? Je ne me rappelle pas son voyage. C'est encore son voyage à Boston. C'était combien l'allocation? 600 piastres d'allocation pour combien de repas? 30 repas. Ça fait 20 piastres par pas. Donc, premier critère, c'est un, dé, un déplacement pour l'emploi, pour le oui. L'allocation, le voyage est à l'extérieur de Montréal et encore une fois, c'est raisonnable. 20 piastres par pas, euh, c'est très raisonnable. C'est pour ça qu'on ne l'impose pas. La troisième allocation, c'était ses moyens de transport. Comment il est allé, lui, à Boston? En train, je pense, ou en avion? En train? Donc, euh, c'est donc, un déplacement d'emploi à l'extérieur de Montréal. Puis est-ce que c'est raisonnable, 350 pièces pour rembourser un trajet Boston-Montréal? Allez voir sur Internet comment ça coûte à l'entrée à Montréal, à Boston de Montréal, c'est plus cher que ça. Donc, si l'employeur n'a pas, pas exagéré, il a donné quelque chose de raisonnable. Donc, même, même conclusion. Finalement, euh, la dernière, ici, pour certains voyages. Euh, Francis a pris sa, son véhicule personnel. Pour certains déplacements, il a pris son véhicule personnel et l'employeur l'a dédommagé avec une allocation. Est-ce imposable? Deux critères à vérifier ici. Est-ce que. Marcel, est-ce que le. Euh, C'est -ce le... ça, Marcel? Là? Maurice, excuse-moi, Maurice. Est-ce que le voyage de le, pour, en auto était à l'extérieur de Montréal? Mais la réponse est on s'en fout. Pour ce critère-là, tu n'as pas besoin d'être allé à l'extérieur de Montréal. Pour une allocation automobile, on l'a vu à l'aptanto dans le livre, tu n'as pas besoin de vérifier si tu es allé à l'extérieur de la ville. Deux choses à vérifier, c'est pour l'emploi, oui, mais surtout, c'est quoi le taux par kilomètre qui a été payé? 100 euh, bas de 59 sous? 40 quelques sous, donc c'est en masse raisonnable, c'est pour ça qu'on ne l'impose pas. Donc, aucune inclusion pour Francis. Mais surtout, il faut comprendre. À l'examen, il faut être capable de faire le même raisonnement. Si je te donne une situation d'un gars, un gars qui a fait des voyages et qui a été dédommagé par son employeur avec une allocation, tu dois être capable de faire la bonne analyse. Tu t'es mis zéro sans trop comprendre, tu n'es pas avancé. Là. Mais on, on travaille là-dessus, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. OK. Yves. Euh, Merci en passant à Maurice qui m'aide. Donc, Yves a fait un voyage. Pour lequel il a couché à l'hôtel, mais je pense que c'était à Montréal, c'est-tu ça? Donc, Yves, lui, son voyage d'affaires, entre guillemets, il était à Montréal. Donc, c'est ça le problème, lui. Donc, il a reçu une allocation pour avoir couché à l'hôtel à Montréal, alors que son, son, son emploi est à Montréal, justement. Donc, le fameux critère, tu es sorti de Montréal, il n'est pas respecté. Donc, l'allocation, je l'impose. 310 reçus de son employeur, imposable. Mais euh, les repas, même problème. C'est des repas pendant qu'il faisait un, vo un voyage d'affaires en guillemets à Montréal. Donc, le critère à l'extérieur de Montréal n'est pas respecté. Plus 260. L'exception ne s'applique pas. Donc, on applique la règle générale. Troisièmement, il a pris l'avion, Marcel, pour aller euh, pas Marcel, à New York. Fait qu'un voyage d'affaires en avion à New York. C'est dans le cadre de l'emploi, c'est à l'extérieur de Montréal. Est-ce que c'est raisonnable, 550 pour un billet d'avion Montréal-New York? Je pense que oui. Donc là, je, je, rétend, je, je conclue que cette allocation-là, je ne l'impose pas. Finalement, l'allocation automobile. Il a, euh, pour, il a fait certains déplacements d'affaires, pas d'affaires, d'emploi, certains déplacements d'emploi avec sa propre auto et son employeur l'a dédommagé. Ici, c'est quoi le problème? L'allocation. Euh, est fixe. Donc, l'employeur n'a jamais demandé à Yves le nombre de kilomètres qu'il a, qu a parcouru. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu que l'employeur demande à Yves combien de kilomètres a été parcouru et lui verser une allocation de 59 sous ou moins, si on veut que ce soit non imposable. Là, l'employeur ne s'est jamais soucié du nombre de kilomètres, il ne sait même pas, puis il verse un montant fixe de 40 Donc, c'est imposable pour cette raison-là. Ce n'est pas basé sur le kilométrage parcouru. Donc, ici, on va imposer le 40 C'est ce, ce qui vous fait 610 d'inclusion dans ce deuxième cas-là. Vous m'arrêtez, si vous avez des questions. Euh, on est là pour apprendre. Troisième situation, la situation de Steve Rock. Donc, Steve Rock, lui, a fait un voyage dans quelle ville? À Québec. Donc, à l'extérieur de Montréal, pour les fins d'emploi, parfait. Est-ce que c'est raisonnable? 4 000 pour deux nuits à Québec. Je pense que non. Il n'y a aucune chambre d'hôtel à Québec, ou même au Château-Frontenac, ça ne coûtera pas 2 000 par nuit. C'est complètement non raisonnable. C'est pour ça qu'on va l'imposer. Euh, les repas, à, je pense que c'est toujours son voyage à Québec qui, continue, qui se continue. Puis, il a reçu 50 de repas. Donc, c'était une allocation de. On, 300 pour 6 repas. Donc, ça fait 50$ par repas. Enfin, Peut-être qu'il y en a qui vont me dire que c'est trop, là, mais moi, je pense que, que c'est raisonnable. Là. À l'examen, je vais vous mettre des immenses montants pour que personne ne hésite. Là. C est, c est, si je mettais des repas à 600$ par repas, ça saute aux yeux. Une chambre d'hôtel à 2000$ par nuit, ça saute aux yeux. Je vais, je vais, je vais la jouer euh, honnête. C'est bon. Euh, troisième allocation, c'était des billets de métro. Parce qu'il s'est promené à Montréal en métro. Il a payé ses billets de métro, puis il a reçu une allocation. C'est quoi le problème? Il n'était pas à l'extérieur de Montréal. Donc, tant que tu n'es pas à l'extérieur de Montréal, une allocation pour de ce genre-là, c'est imposable. 10 piastres. Dernière possibilité, son allocation auto. Il a fait certains déplacements avec sa voiture personnelle. Est-ce que c'était à l'extérieur de Montréal? On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On on ne pose même pas la question. Est-ce qu'il a été payé par kilométrage? Oui. Puis, est-ce que le taux est raisonnable? 59 sous au moins. Combien il a reçu? Bien trop, exact. 90 sous par kilomètre. Le gouvernement dit non, non, non. Ça, c'est de l'enrichissement. On impose conséquemment le, le 450 qu'il y a là. Dernière solution, dernier cas, celui de Patrick. Patrick a fait des voyages… Ici, il a dormi à l'hôtel à Ottawa, mais je pense que ce pas pour l'emploi. Hein. Je pense que c'est ses vacances. Il a passé une couple de jours en vacances en famille à Ottawa, puis il a fait rembourser ça par une allocation de l'employeur. Donc, il y a un problème. C'est clairement imposable parce que ce n'est pas un déplacement d'emploi. C'est bon pour ça? Les repas, ça, c'est un voyage où, ça? Un voyage à Québec, donc il était à l'extérieur de Montréal. Dans le cadre de l'emploi, oui. Est-ce que c'est raisonnable? 1000$ pour un repas? Pas raisonnable, on impose. Lui, il est abusé un peu, on dirait. Troisième situation, il a voyagé en train pour aller dans quelle ville? Merci. Donc, c'est à l'extérieur de Montréal pour les, les fins de l'emploi. Est-ce que c'est raisonnable, 5000 pour un billet Montréal-Ottawa? Non, on l'impose. Finalement, la location automobile? C'était... Il, il a pris son auto personnel pour faire des déplacements. C'était dans quelle ville On s'en fout. Une blague. Juste que vous voulez en rappeler. Ici, ce n'est pas important de le savoir. Est-ce qu'il a été payé par kilomètre Oui. Puis c'était quoi le taux par kilomètre 40, c'est raisonnable. Donc, il n'y a pas lieu de l'impose. C'est bon Good. On s'est pratiqué en masse. Là. Sérieux, je pense que vous allez être un petit peu meilleur qu'avant, c'est ça, ça le but. Pas grave d'avoir fait des erreurs aujourd'hui, on est là pour apprendre. Merci, Lauriane. Je t'écoute. C'est ça, quand l'employeur te verse une allocation automobile et qu'il te paye 59 sous ou moins, c'est raisonnable et on ne l'impose pas. Oui, le, le, le lieu de ton déplacement n'est pas, est pas important pour cette exception-là, pour celle dont on parle ici dans le volume. Là. Mais ce que tu dis, c'est vrai, je vais juste te le montrer visuellement. Donc, depuis tantôt qu'on parle de deux exceptions, la première exception, c'est pour tous les frais de déplacement autres que prendre ton auto. Donc, euh, ici, là, donc des allocations pour l'hôtel, les repas, puis tous les autres moyens de transport autres que l'auto. Pour ces allocations-là, je dis la même chose que toi, là, je ne te contredis pas. Il faut, il faut que le voyage soit à l'extérieur de Montréal. Alors que la deuxième exception, elle vise justement une allocation pour avoir pris ton auto autopersonnel. Et dans ce contexte-là, comme tu vois, il n'y a pas de mot qui dit qu'il faut que ce soit un voyage à l'extérieur de Montréal. Donc, on en conclut donc que ce n'est pas nécessaire. Je dis la même chose que toi, mais je suis juste supporté par le, les écrits dans le volume. Merci, c'est une bonne question. Autre chose? Super. Bon, alors, dernière partie pour le cas. On va aller voir la dernière page. Je vous laisse aller voir ça, mais je m'en vais tout de suite dans votre, à la bonne place dans votre volume. Trois points à la page 122. Donc, les, trois, les quatre dirigeants se sont aussi fait fournir une automobile. Donc, le rêve de tout employé, l'employeur qui dit Je te fournis une auto, je la paye, je l'entretiens, je, je, je paye tout ce que l'essence, l'immatriculation, les, les coûts reliés à l'auto et tu la prends. Tu fais ce que tu veux avec. Donc, tu vas travailler, tu vas pouvoir l'apprendre pour le travail, mais tu pourras aussi l'apprendre pour tes déplacements personnels. Donc, ça, c'est le fameux contexte d'automobile fourni par l'employeur à l'employé. Il y a clairement un enrichissement là. Tout le monde sait combien ça coûte cher de faire opérer sa propre véhicule. comment ça coûte cher d'avoir une auto. Imaginez, imaginez en plus une auto de luxe. Tout le monde sait combien ça coûte cher d'avoir ça. Imaginez votre employeur qui dit "T'occupes, je paye ça, je, je te paye ça." Donc il y aura un calcul à faire d'avantage imposable. Je vais juste montrer ici le résumé. Dans tous les contextes de voitures fournies, l'avantage imposable se calcule en trois étapes. Premier calcul, droit d'usage, plus le, de, un deuxième calcul qu'on appelle les frais de fonctionnement, moins, en troisième étape, un, le remboursement effectué par l'employé. Il peut arriver, c'est rare ça, il peut, mais ça peut, arriver, ça peut exister. Normalement, l'employeur te fournit une taux. Puis il ne te demande rien en retour. Donc, souvent, c'est zéro ici. Mais si ton employeur te dit je te fournis une auto, mais toi, en échange, donne-moi un peu d'argent bien, bien sûr, ça va réduire ton enrichissement. S'il faut que tu payes une partie de ton cadeau, une partie de ton auto, ben tu t'es un petit peu moins enrichi. Donc, il faut en tenir compte dans le calcul. Donc, faites à tous les, tous les détails, bien sûr, sont à la page suivante. Là, mais il y a ce calcul-là à faire. Juste attirer votre attention. Le premier calcul, il est différent. La formule, elle est différente dépendamment de si l'employeur qui vous fournit l'auto. Est-ce qu'il a acheté l'auto qu'il vous fournit ou est-ce qu'il l'a loué l'auto qu'il vous fournit? Donc, dépendamment si l'employeur a acheté ou loué le véhicule, ce n'est pas tout à fait la même formule, mais pour le reste du calcul, c'est pareil. Donc, on travaille là-dessus une quinzaine de minutes. On en reparle tantôt? Oui, tu as ça dans le volume aussi, effectivement. Là, tu peux. On va regarder la solution ensemble. Je sais que c'est un peu rapide. Euh, c'est parce que je, me, je voudrais juste prendre quelques minutes pour vous montrer d'autres petites choses à, avant qu'on quitte. Fait que je suis tout à fait conscient là, que pour faire quatre calculs d'avantage automobile pour quatre dirigeants, c'est rapide. Je, donc, vous n'avez pas terminé, c'est tout à fait normal. Mais on va quand même le, le regarder. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent à la solution, le fichier Excel que j'analyse, que, que je vous montre depuis tantôt, est disponible dans le portail de cours. Je vais l'enlever dans quelques minutes. Pour ne euh, pas contaminer mon activité d'après-midi, puis je vais le remettre disponible pour tout le temps à partir de 3 heures tantôt. Donc, libre à vous de le télécharger maintenant si vous le souhaitez. Donc, euh, le, le, les, les trois fameux calculs qui sont euh, calcul du droit d'usage, du frais de fonctionnement, moins les remboursements. Toute cette formule-là vient du volume. Là, je vais aller vite un peu, fait que je ne vais peut-être pas tout aller vous montrer dans le volume, mais vous comprenez que ces formules-là, je ne les ai pas inventées. Donc, euh, au niveau du droit d'usage, essentiellement, le gouvernement a établi une formule qui est ici un peu complexe, mais il faut juste y aller étape par étape. Donc, euh, cas, voilà, là, allons l'appliquer tout simplement. Donc, euh, A sur B fois 2% fois la lettre C. La lettre C, c'est le coût de l'automobile qui t'est fourni. Donc, bien sûr, plus l'employeur te fournit une voiture luxueuse, plus ce calcul-là va augmenter. Ce n'est pas le même enrichissement, se faire fournir une voiture très, très luxueuse versus se faire fournir une voiture moins luxueuse. Puis, D, c'est le nombre de mois dans l'année où j'ai utilisé, où j'ai eu l'automobile à ma disposition. Donc, encore là, si on me fournit l'auto pendant toute l'année versus si on me la fournit pendant trois mois, ce n'est pas le même enrichissement. C'est logique. Donc, si on regarde ça avec les chiffres de M. Fraser, donc, pour votre information, là, les, les, ça donnait 15 sur 20. Donc, A sur B, ça donnait un ratio de 15 sur 20 fois 2 fois le coût de la voiture, fois le nombre de mois où il l'a eu. Donc, pour lui, un droit d'usage qui donnait 67 800. Je prends juste deux petites minutes. Donc, tout le monde reconnaît les chiffres. Ça, c'est le coût de la voiture qui a été fourni à M. Fra euh, Francis, oui. 12 mois, il a eu le il y a des indications qui disent que pendant l'année 2000, il a eu le toute l'année. On avait les dates de, de, de mise à la disposition. Et j'attire juste votre attention ici sur le ratio A sur B. Okay? Dans le livre, premièrement, commençons par la valeur du dénominateur. La lettre B, c'est toujours la même chose. 1667 km fois le nombre de mois où le taux a été mis à ta disposition. Le 1667 il est fixe. Je ne sais pas d'où ça vient. Ben, je, je le sais, mais ça, peu importe, ça ne change jamais. Donc, mille, le, pour le dénominateur, 1667 fois le nombre de mois. Donc, 20 000. Ça, c'est mon dénominateur, A sur B. C'est B. Le numérateur, la lettre A. Dans le livre, on vous dit le numérateur est réputé égal à B. Donc, normalement, pour, la, pour A, tu donnerais la même valeur que tu viens de donner pour B. Donc, ça donnerait un numérateur de 20 000. Et qu'est-ce que ça donnerait, une fraction de 20 000 sur 20 000? 1. Et on multiplierait le reste de l'avantage imposable par 1. Donc, l'avantage imposable ne serait pas réduit par la fraction. Mais il y a une exception. Dans certains cas, on peut allouer une, plus, peut, une valeur plus petite au numérateur, à la lettre A. Une condition. Si l'employé a été discipliné, j'imagine, Le critère dit si l'employé a utilisé l'automobile plus de 50 pour des fins d'emploi. Donc, il ne l'a pas trop utilisé à des fins personnelles. C'est là que je parle d'être discipliné. Il a pris moins de 50 du temps pour des fins personnelles. Là, on va t'aider en donnant une valeur plus petite à la lettre A. Donc, M. Fraser, il respecte ce, ce critère-là. Je n'ai pas les kilométrages sous les yeux mais il y en, en avait fait plus de la moitié pour son travail et donc moins de la moitié pour des fins personnelles. Donc, on va donner une nouvelle valeur à la lettre A. Ça va être le nombre de kilomètres personnels parcourus. Donc, la lettre A ici, ça va être 15 000. Moins il prend l'auto à des fins personnelles, plus ce chiffre-là diminue. Imaginez quelqu'un de très discipliné qui aurait, mis, qui aurait fait 1000 kilomètres personnels. Qu'est-ce qui arriverait à son avantage imposable? Il serait fractionné de 1 vingtième. Parce que la lettre A aurait une valeur de 1000, 1000 sur 20 000, on réduirait énormément l'avantage imposable. C'est ça l'objectif, c'est de récompenser les gens qui n'ont pas trop pris le l'auto à des fins personnelles. Donc ici, 15 sur 20, c'est mieux que rien. Donc, son avantage imposable va être dans le fond fractionné par trois quarts à peu près, un, ra un ratio 15 vingtième, fois le reste de l'avantage imposable. Deuxième calcul, c'est beaucoup plus simple, c'est le calcul des frais de fonctionnement. 27 cents, c'est un, un tarif fixe, 27 cents par kilomètre personnel. Donc, euh, dans le fond ici, dans, la, dans le livre, on dit que quand le, le fameux critère de 50% est respecté, l'employé a le choix. Soit il va prendre le, le, le plus petit résultat entre 27 cents fois les kilomètres personnels ou la moitié de son droit d'usage. Ben ici, prendre la moitié du droit d'usage de 67 000, ce n'est pas intéressant. On va, juste le, on va prendre le plus petit des deux, dans ce cas-ci, 26 cents par kilomètre personnel. Ça, ça donne 4050. C'est le deuxième calcul. On fait le droit d'usage plus les frais de fonctionnement moins les remboursements. Est-ce que l'employé a dû rembourser quelque chose à l'employeur ici? Non. Donc, c'est ce qui donne un résultat final de 71 941. Euh, le deuxième dirigeant, Yves. La formule, elle est ici. Euh, oui, ici. 18 000 sur 18 000 fois 2 fois le coût de la voiture, fois 11 mois. Là, je suis dans la solution de Yves Demers. Est-ce que tout le monde voit bien que Yves Demers a fait fournir une voiture achetée 72 000? Il a eu l'auto pendant 11 mois. Faites attention avec les dates, là. Il a eu l'auto au mois de, le 1er février, je pense. En janvier, il ne l'a pas eu. Donc, fois 11, pas fois 12. Fois 2 Et ici, notre fameux ratio A sur B. Le dénominateur B, c'est toujours la même chose. Ici, c'est 1167 fois 11 mois, le nombre de mois où il taux. Donc, un dénominateur de 18 337. Le numérateur est réputé égal à, au même chiffre. Donc, A, il a la même valeur que B. Donc, 18 000, sauf si la condition est respectée, comme tantôt. Tantôt, notre dirigeant avait respecté la condition qui demandait d'avoir fait moins de 50 du kilométrage pour, dans, pour des fins personnelles. Est-ce que euh, Yves Demers a été aussi discipliné? Non. Lui, c'est le contraire. Lui, il a pris beaucoup taux à des fins personnelles, plus que la moitié. Donc, il n aura pas droit à l'allègement pour la lettre A. A et B vont rester pareils. Ils ne réduiront pas l'avantage imposable. 18 000 sur 18 000, tu ne réduis pas l'avantage imposable, comme l'autre dirigeant avait pu le, le, le réduire par une, un ratio de 15 sur 20. Donc, ça va être un plein avantage imposable. Frais de fonctionnement, 27 cents fois les kilomètres personnels, 5 5006. Lui, il n'a pas le droit de, 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 de faire l'autre calcul parce qu'il n'a pas respecté le fameux critère de 50 Et finalement, les remboursements. Yves, lui, on lui demande de rembourser. 20 sous par kilomètre personnel. C'est donc dire que dans l'année, il a payé son employeur 4200 200 en échange de l'auto. Il ben, faut en tenir compte dans le calcul. On ne peut pas prétendre que Yves de s'est fait enrichir de la somme des deux premiers montants sans tenir compte qu'il a payé une partie de son auto en donnant de l'argent à son employeur. Donc, on le retranche. C'est ce qui va vous donner 17 310. Steve Rock. On a la formule ici, euh, 8 sur 20 fois 2 tiers fois 11 400. La formule est un petit peu différente ici parce que l'auto est louée. Tantôt, quand je vous, je vous parlais d'une formule qui était 2 fois le coût de la voiture, fois le nombre de mois, c'est une formule qui s'applique à une auto achetée. Comment tu fais pour appliquer cette formule-là à une auto qui n'a pas été achetée par l'employeur, mais qui a plutôt été louée? Comment tu peux faire deux fois le coût de l'auto 2% fois le coût de l'auto quand tu n'as pas acheté d'auto. Donc, tu n'as pas de coût. Donc, il faut juste adapter la formule. La formule, elle est juste adaptée pour un contexte de location. Donc, une auto-louée, c'est la même logique. C'est juste qu'on adapte la, for la, la formule, puis on va, la formule va plutôt dire deux tiers des frais de location. Donc, on va prendre deux tiers des frais de location de 11 400 fois toujours le même ratio A sur B. Ça, ça ne change pas. B a une valeur de 20 000, je l'ai déjà expliqué. Et A a la même valeur que B. Donc, normalement, ça donnerait 20 sur 20, sauf s'il respecte le critère de 50 Ici, Steve, je pense qu'il a fait très peu de kilomètres personnels, hein? seulement 8 000, ce qui n'est pas tant que ça, c'est beaucoup moins que 50 Donc, il peut réduire son avantage imposable par une fraction 8 sur 20. 8 sur 20 du, de l'avantage imposable. Les frais de fonctionnement, c'est euh, 26 cents le kilomètre personnel ou la moitié du droit d'usage. Ici, la moitié de 3 000, c'est avantageux. On va le prendre. 1 500. Finalement, moins les remboursements, ce qui donne 3 359. Dernier, on a une auto achetée encore une fois. Donc, ici, 15 000 sur 15 000 fois 2 fois le coût de l'auto, fois 9 mois. On a un, un indice qui, qui détenait l'auto pendant 9 mois. Donc, la valeur de B, c'est 1 667 fois 9 mois. Et la valeur de A est pareille, sauf s'il respecte la condition de 50 ce qui n'est pas le cas. Donc, pas d'allègement pour lui, on l'impose sur la totalité de son avantage imposable, 11 700, plus ses frais de fonctionnement de 27 sous par kilomètre personnel. Ah, C'est énorme, là, 25 000 km personnel, 6 09, moins son remboursement de 5 005. Donc, ici, 13 497. Est-ce qu'il y a des questions pour euh, ce calcul-là? Qui peut se décliner avec des fois avec euh, une auto achetée, puis décliner un petit peu différemment pour une auto louée, mais pour le reste, tout, à la, tout à pareil. Good? Ben, je suis conscient que ça a été un peu rapide. Donc, je vais aller enlever la solution du portail avant de l'oublier. Je prends quelques minutes juste pour survoler les autres avantages imposables qui n'ont pas été traités dans le cas. Vous voyez, vous voyez bien qu'un cas, ça ne peut pas tout traiter. Donc, euh, évidemment, je ne reviens pas sur ce qui était... Euh, tout ce qu on a, on a tra... Tous les thèmes qu'on a traités aujourd'hui, on les a faits euh, en masse. Rapidement, là, je fais un survol juste pour vous, vous, vous montrer les autres avantages imposables qui existent, qu'on n'a pas vécu aujourd'hui dans notre cas. Le fameux prêt sans intérêt. Donc, on n'en avait pas dans notre cas mais si votre employeur vous prête de l'argent à un taux d'intérêt trop faible, ou même zéro souvent, bien, on va calculer un avantage imposable. Tout simplement, A moins C. Donc, A ici, on va calculer, dans le fond, l'intérêt que tu aurais dû payer en utilisant un, un taux représentant à peu près le taux du marché. Ça s'appelle le taux d'intérêt prescrit. Donc, le gouvernement il le donne, ce taux-là, à chaque trimestre, le gouvernement met à jour le, ce qu'on appelle le taux d'intérêt prescrit, qui reflète à peu près les taux du marché. Donc, la, la formule, la, la logique de la formule, c'est de dire, calcule l'intérêt que tu aurais dû payer normalement en, en utilisant ce taux-là, puis compare à l'intérêt que tu as effectivement payé à ton employeur. Donc, souvent, c'est zéro ici. Donc, A moins C, ça va faire ressortir l'intérêt manquant. Regardez, je rapidement là. Juste, euh, ici on a, regardez, on a un, un, des taux d'intérêt de prescrit, prescrits hypothétiques. Juste attirer votre attention là, sur le, la première année. Je vais juste faire une année. Ce ne pas les vrais taux, mais imaginons là, 6% de taux prescrits le premier trimestre, 5, 5, 4. Il okay? faut juste retenir ça, là, 6, 6, 5, 5, 4. Je vais l'appliquer dans mon calcul qui est ici. Donc, c'est un prêt de 200 000 qui a été fait. Je vais juste montrer l'énoncé. Donc, on a l'exemple ici d'un prêt qui a été fait le 15 avril. Donc, remarquez, l'employé n'a pas eu l'argent toute l'année. Pendant trois mois et demi, il n'a pas eu l'argent. Janvier, février, mars, début avril, il n'a pas eu l'argent. Donc, il a eu l'argent pendant huit mois et demi. Un prêt de 200 000, puis on lui charge du 4 donc, lui, il paye du 4 à son employeur, alors que les taux du marché, les taux d'intérêt prescrits sont plus hauts que ça. On les a vus tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer comment on va calculer l'intérêt manquant. Je vous le fais juste sur une année. D'accord Juste ici, là. Donc, la lettre A, c'est ici. C'est ce que tu aurais dû payer. Puis la lettre C, c'est en bas ce que tu as payé. Puis un moins l'autre fait ressortir l'intérêt manquant. Donc, c'est un calcul qu'il faut faire pour chaque trimestre. Puis on, va on va additionner les résultats en, ensuite parce que le taux d'intérêt prescrit, il a changé dans l'année. Donc, je ne peux pas en un calcul avoir la situation globale de l'année. Je dois fractionner mon calcul par trimestre pour tenir compte du fait que l'enrichissement n'est pas le même d'un trimestre à l'autre compte tenu de l'évolution du taux prescrit. Donc, pour le premier trimestre, je n'ai rien à calculer. Premier trimestre de janvier au 31 mars, je n'avais pas l'argent. J'ai eu mon argent à partir du 15 avril. Deuxième trimestre, j'ai emprunté 200 000. J'aurais dû payer du 5%, qui est le taux d'intérêt prescrit que je vous ai montré tout à l'heure au deuxième trimestre. Mais ça, c'est un taux annuel. C'est le coût de l'argent pour 12 mois. Donc, si tu fais un calcul pour moins de 12 mois, tu dois fractionner ce calcul-là. Je ne vous apprends rien. Des taux, c'est des taux qui sont annuels. Ça veut dire qu'ils sont valables pour 12 mois de détention. Donc, moi, si je veux trouver ce calcul-là, juste pour deux mois et demi, je divise par 12 pour trouver le calcul par mois et je multiplie pour mes deux mois et demi. Donc, fin avril, mai et juin. Donc, pour le premier trimestre, j'aurais dû payer 2083. Troisième trimestre, j'ai emprunté 200 000 à 5% de taux d'intérêt prescrit, vous l'avez la, dans le tableau. J'ai eu l'argent pendant trois mois, donc 2500 d'intérêt manquant. Dernier trimestre, j'ai emprunté 200 000. Le taux prescrit est à 4% pour le dernier trimestre. Et j'ai eu l'argent pendant trois mois. Donc, au total, j'aurais dû payer 6 583 si j'avais payé les taux du marché. J'ai payé combien? J'ai payé, j'ai emprunté 200 000 à 4%. C'est ça mes conditions avec mon employeur. Pendant huit mois et demi sur 12. Donc, j'ai payé 5 667. Il manque. 900$. Donc, dans cet exemple-là, j'ai une inclusion au revenu d'emploi de 917 qui est mon intérêt manquant. La différence entre ce que j'aurais dû payer et ce que j'ai payé pour vrai. Autre avantage imposable, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, avoir un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents. Donc, ça, c'est aussi une forme de, de, de rémunération que certains employeurs accordent à leurs employés. L'idée de dire je, on va contracter une assurance. Si tu devais tomber malade ou accidenté puis manquer du travail, bien, on pour, tu vas recevoir une prestation d'assurance à la place. Je le disais tout à l'heure, normalement, c'est à l'employé à payer ça. Ce n'est pas à ton employeur à payer ton, à ton assurance. Ton employeur ne paye pas ton assurance maison, il ne paye pas ton assurance auto. Pourquoi il paierait ton assurance contre la maladie ou les accidents? Ça t'appartient. Donc, trois situations possibles ici. Qu'est-ce qui arrive si c'est moi, si moi tout seul qui paye ma prime? Donc, mon employeur, il dit Moi, je ne te le paye pas. Donc, si tu veux une assurance, paye-toi-la. Ben, parfait, je la paye. Vous devinez que la journée où je, vais, où je vais tomber malade ou accidenté puis que je vais recevoir des prestations du régime d'assurance, ils ne seront pas imposables. Ce n'est pas de l'argent qui vient de mon employeur, c'est le retour de mon propre argent. Quand, quand vous faites un accident d'auto et que vous appelez l'assureur, puis que l'assureur vous renvoie le, votre argent, autrement dit, ce n'est pas imposable, hein, c'est votre argent. Qu'en est-il si ce n'est pas toi qui as payé les primes? Si l'employeur dit c'est bon, je m'en occupe, je, occupe laisse faire, je vais payer ce que ça te coûte pour te couvrir d'une telle assurance. Là, c'est différent. Quand tu, si tu tombes malade ou accidenté puis que tu reçois des prestations, c'est-tu le retour de ton propre argent ou c'est l'argent de l'employeur que tu reçois? Directement, c'est l'argent de l'employeur. Donc, c'est pleinement imposable. Donc, tu vas t'imposer au complet sur les prestations d'assurance. Ce n'est pas toi qui les as payées, les primes. Et il existe la situation mitoyenne. Qu'arrive-t-il si on paye les primes moitié-moitié, en tout cas, en ensemble? Donc, on a le cas où je paye les primes seul. On a le cas où l'employeur paye les primes seul. Qu'arrive-t-il si on paye ça ensemble? Je paye une partie des primes, puis l'employeur paye une partie des primes. C'est souvent ça. Quand je vais tomber malade, puis que je vais recevoir des prestations d'assurance, c'est l'argent de qui qu'il y a là-dedans? Les deux, hein. Il y a un peu d'argent mis par l'employeur, puis il y a un peu d'argent mis par moi. Puis le but, c'est d'imposer seulement l'argent mis par l'employeur. Donc, le, le, ce qu'on va faire comme calcul, c'est bien simple toutes les prestations que tu as reçues, on va en retrancher de ça toutes les primes que tu as payées. Donc, dans le montant que tu as reçu de ton assurance, enlève tout ce, qui, tout ce qui est le retour de ton propre argent. Toutes les primes que tu as envoyées, enlève ça. ça c'est toi qui l'as mis dans ce régime-là. Le reste, ça ne vient pas de toi. Donc, le reste, ça vient de l'employeur et c'est donc imposant. Donc, par différence, on va faire ressortir, si on veut, la, la, la contribution de l'employeur en enlevant... Ce que moi, j'ai payé. Il y a un petit exemple là, qui illustre ça à la page suivante. Euh, deux minutes max. Il faut que j'aille à mon défi k là. À moins que vous me disiez non, Nicolas, ne fais pas de défi k -out, puis on va terminer la, terminer la matière. Mais, je, un mot sur. Il m'en resterait deux à voir, là, mais je m'arrête à celle-là. Un mot. Deux, deux mots. Chantier particulier et endroits éloignés. C'est des montagnes qui sont définis, ça. Ça, là, c'est des endroits où tu es, es tellement loin chez vous qu'on fait un accro à la règle générale et on accepte que l'employeur te paye ton logement, ta nourriture, puis même tes déplacements pour y aller sans que ça soit un avantage imposable. Est normalement, hein, mon employeur n'est pas supposé de me payer mon épicerie puis de me payer mon logement. Mais s'il m'envoie vraiment très, très, très loin... Euh, ça va être, on va accepter. Donc, c'est logique. Ici, il y a, pour un chantier particulier, il y a quatre conditions à rencontrer. Vous les regarderez. Mais essentiellement, on m'envoie à 80 km de chez moi. Donc, on m'envoie un lieu de travail qui est, à, qui est à plus de 80 km de chez nous. Plus trois autres conditions. Là, il y a quatre conditions. Donc, je suis obligé de m'absenter pendant au moins 36 heures. Vous voyez le genre. Là, j'habite, moi, comme je travaillais à Trois-Rivières, puis on m'enverrait pendant 4-5 jours, puis je respecte toutes ces conditions-là. Là. On, on m'enverrait pendant trois jours consécutifs à un, un endroit assez loin. On pourrait me payer logement, euh, mes repas, mes transports sans que ce soit un avantage imposable. Puis il existe encore plus loin. Vous trouvez que c'est loin 80 km de chez vous? Imaginez 80 km de toute ville. Ça, c'est loin. Là, tu n'es pas à 80 km de chez vous. Tu es à 80 km de toute civilisation. Tu es dans un imaginez un chantier, dans une roulotte, dans le fin fond un, dans le nord du Québec, tu es loin là. Donc là, les conditions ne sont pas, il n'y a pas quatre conditions, il y en a juste deux. Et, parce que c'est beaucoup plus loin. Et encore là, on peut te parachuter en, en hélicoptère gratuitement, te faire à manger, te loger gratuitement dans, ce, dans cet endroit-là. Je pense je trouve que c'est un petit peu logique comme règle. Donc voilà de façon un peu accélérée les derniers avantages imposables. Alors il nous reste juste le temps qu'il faut.